le comité d'interaction du journal du concours des lycéens. Alors nous sommes en direct de l'hôtel de ville de Rennes où se passent en ce moment même les délibérations nationales pour le prix du concours des lycéens. Alors je vous emmène avec moi, on va pouvoir assister au backstage de l'événement. Alors, nous pouvons voir ici le grand salon. Pour l'instant, les préparatifs vont à bon moment. Nous avons pu voir durant la matinée pas mal de préparatifs. Donc ici, vont se dérouler la délibération finale. Donc, quand nous allons savoir qui a gagné le prix du cours des lycéens 2019. Actuellement en train d'être fait. Venez avec moi dans le coin presse. Alors le coin presse où nous allons pouvoir voir mon équipe. Alors le coin presse, donc mon équipe qui travaille d'arrache-pied, puis-je dire, pour pouvoir écrire des articles. Alors, j'aperçois Madame Le Sueur, nous allons pouvoir l'interview. Oui. On a quelques questions. Vas-y. Donc, le jury est à présent en train de délibérer. Comment vivez-vous cette attente insupportable? Je la supporte jusqu'ici. Merci. Mais c'est vrai que c'est un grand moment. On a eu plusieurs grandes surprises les années précédentes. Il y a 8 finalistes. Ça fait beaucoup. Avez-vous une préférence d'auteur ou de livre? Alors, il y en a beaucoup que j'ai bien aimé, une préférence véritable. Mon coup de cœur, vraiment coup de cœur, il n'est pas dans les finalistes, c'est Olivier Rollin. Mais j'ai beaucoup aimé le roman de Natacha Appala. J'ai beaucoup aimé le roman de Santiago Amigurena. Mais j'ai bien aimé aussi Sébastien Spitzer. J'avais très bien. On adore Sébastien Spitzer. Oui, Sébastien Spitzer. Merci. Et maintenant. Bonne continuation. Merci à vous. Nous allons finir ici. C'était Louise pour le journal du concours des lycées.